et des reflets et de la masse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous emmène chez mon coiffeur. Cette vidéo je l'avais déjà réalisée il y a environ 8 ans, complètement à l'arrache, sans montage, je sais même pas si elle est encore sur ma chaîne YouTube. Je vous avais emmené donc chez Charlie qui est ma coiffeuse depuis que j'ai 15 ans, qui s'occupe de ma couleur, pour filmer un petit peu les étapes et le process de cette coloration là. Donc c'est la même que j'ai depuis que je suis très très jeune. Parfois j'éclaircis un peu plus, parfois un peu moins. Néanmoins je me suis dit 2019, on va en faire une nouvelle, un peu mieux montée, un peu plus clean. Je vais en profiter pour poser des questions à Charlie et pour que vous puissiez savoir plusieurs choses sur cette coloration, parce que vous me posez tellement de questions sur le balayage. Je me dis que voilà, c'est peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus. J'espère que ça vous plaira, c'est parti, je vous emmène. Donc Charlie, c'est la personne qui me coiffe depuis que j'ai 15 ans. J'ai 32 ans, donc faites le calcul, ça commence à dater un petit peu. Et il y a tellement de questions qui reviennent souvent sur mon balayage, la couleur que, la couleur de mes cheveux. Et je vais en profiter du coup dans cette vidéo pour vous expliquer qu'il ne s'agit pas seulement d'un one shot chez un coloriste, mais c'est que c'est, enfin, et puis Charlie pourra le confirmer, mais c'est vraiment un travail qui s'est fait par étapes, quoi. Parce que de base, je suis brune. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu Charlie, je lui ai dit voilà, je voudrais un balayage façon surfeuse, tu vois, genre je sors de l'eau mais naturel. Voilà, il y a des moments, c'est vrai, où je suis un peu plus claire que d'autres, ça dépend des phases. Là pour le coup, voilà, je rafraîchis un peu mon balayage, j'en profite pour éclaircir un petit peu, pas trop. À cette époque, donc ça commence à dater un peu, le balayage surfeuse quand t'es arrivé, tu rentrais des États-Unis je crois. De Miami, ouais. Voilà, et mine de rien, ça a quand même fait un carton, puisqu'après ça a été très à la mode, ombre hair, tie and dye, là 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 quoi. Donc tu étais quand même dans les novices. Prescriptrice. Ouais, sincèrement, et ça c'est vrai. Parce j'ai pas arrêté d'en faire après, à gogo, et après il y a eu la pub dans les magazines, blablabla. Bla, bla. Et voilà. Oui. Mais non, mais ce qui est drôle en plus, c'est pas ça, c'est que j'avais fait une vidéo de toi, Charlie, mais tu te souviens? Oh là là. Sans montage, sans rien. Oh. C'était les débuts de mon blog. C'était génial. Et la vidéo, ouais, on avait bien rigolé. Et la vidéo, en fait, elle a généré beaucoup de prises de rendez-vous ensuite. Alors que c'était vraiment pas la vidéo la plus quali que j'ai pu se faire sur mon blog à l'époque. C'était genre en 2010, je pense, un truc comme ça. Mais donc, je suis restée fidèle au poste parce que je pense que c'est important lorsqu'on trouve une personne qui vous connaît, qui connaît vos cheveux et qui vous trouve la couleur parfaite, il faut garder cette personne. J'ai déjà fait le test d'aller voir ailleurs pour diverses raisons. Et puis en fin de compte, je suis revenue chez Charlie parce que j'ai eu besoin qu'elle me rattrape tout ça et qu'on reparte sur nos bases habituelles. Bah, c'est quand même votre tête quoi, c'est quand même vos cheveux, on voit tout le temps avec, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez planquer, et c'est aussi la première impression que la personne a sur vous, donc tant qu'à faire, autant la soigner. Parce que toi, parfois, est-ce que t'as des gens qui te demandent des trucs un peu farfelus, tu vois? Genre qui leur correspondent pas du tout? Ouais. Et tu leur dis quoi? Non. Ah, tu dis non, tu fais pas? Non. C'est vrai? C'est bien. Pas, c'est si je sens pas, en fait. T'as raison. Et en fait, ce qui est trop cool chez Charlie, c'est qu'on est dans un petit atelier privé. On n'est pas dans un salon de coiffure à proprement parler. C'est-à-dire que quand vous prenez un rendez-vous, vous êtes vraiment seul avec Charlie, c'est votre moment à vous. Voilà, moi en général, je vais vous montrer, je viens avec mon ordi, avec mon téléphone qui est branché de manière à faire un partage de connexion. Enfin, je m'installe un peu, j'en profite pour bosser. Vous voyez, là, je vais commander mon petit Starbucks en même temps que je fais ma petite couleur. C'est vraiment genre mon moment à moi. Voilà, donc c'est mon spot de travail. Quand je suis chez Charlie, je suis là. Bonjour. J'ai mon ordi qui m'attend, je vais m'y mettre. Et je ramène avec moi mes produits, donc mon shampoing Bioderma et mon masque Guizou. Parce qu'ils sont sans parabènes, sans sulfate et sans silicone. Voilà, et que bah, c'est aussi le concept chez Charlie, on se sent un peu chez soi. Vous voyez, c'est un petit atelier, vraiment, je suis toute seule, donc je me permets ce genre de choses-là. Là, j'ai 30 minutes à attendre avec la potion magique sur les cheveux. Alors, je vous le dis quand même si vous en doutez, c'est pas un acte bénin hein, que de se faire colorer les cheveux, parce qu'on vous décolore.
Il faut vraiment prendre soin de ses cheveux ensuite, les hydrater à fond, faire des masques, etc. Parce que sinon, ça ne supportera pas le coup. C'est parti. Donc là, tu me fais un petit shampoing, c'est ça? Là, je te rince le balayage, je regarde la teinte. Ouais. Et puis après, par rapport à la teinte qu'il y aura, par rapport à l'éclaircissement, je ferai la platine, une platine pour que la couleur elle soit jolie, que ça ne passe pas décoloré, que ça s'harmonise avec le reste. Ok. Et la platine, c'est à chaque fois qu'on fait une couleur, du coup, ou c'est en fonction d'eux? En fonction de. Ok. Du besoin. S'il n'y a pas besoin, je ne le fais pas. S'il y a besoin, je le fais. Et d'accord. Je ne fais jamais la même. D'accord. C'est-à-dire que je la fais en fonction aussi de comment tes cheveux ont éclairci. D'accord. Voilà. Donc, ok. D'où l'effet super naturel, harmonieux, du brun au blond. Voilà. Ça marche. On va découvrir ça. Ouais. Bon, la nuit est tombée, donc on voit pas très 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 bien la couleur. Je vous montrerai le résultat, quoi qu'il en soit, demain matin, hein. À la lumière du jour. Mais là, je crois avoir la confirmation qu'on a quand même bien éclairci. Ça. Non ? Ouais. Pas trop non plus. Non, mais on va avoir des jolies mèches claires en plus de ce qu'on a d'habitude. Trop bien. Et tu l'as fait dès la racine du coup ? Ouais. Ouais, ok. Oui, parce qu'on se demandait est-ce qu'on démarrait ça à la racine ou pas à la racine justement. J'ai trop hâte de vous montrer demain. Là, la couleur, bah, au bout de plusieurs balayages, là, on commence à avoir des beaux reflets plus clairs, miel clair, hein, qui c'est se fondent dans le, dans la base. Ouais, c'est très joli. Moi aussi, je suis super contente. Ouais. Et puis, puis là, tes cheveux, ils reprennent vraiment la masse. Quoi. Ils sont... je ne les dégrade plus du tout. Ah, ils sont sublimes, là, franchement. Si t'as vu, je vois les plus ça en plus. Ouais. Mmh. Ouais, c'est super beaux cheveux. Je suis trop contente. Très épais. En bonne santé. Ouais. Merci Charlie. De rien. Trop contente. C'est moi. Voici donc le résultat de la coloration en question. Vous avez vu, j'ai passé quoi? J'ai passé 2 heures chez Charlie. Je suis ressortie du coup avec cette très jolie couleur. Je suis ravie. J'ai demandé d'éclaircir, mais j'ai demandé à ne pas trop éclaircir. Je ne veux pas être blonde. Je voulais juste des reflets. Donc là, on a des reflets qui sont, je dirais, miel, doré. On est sur des tons qui sont cendrés. Pour arriver à ce résultat-là, ça ne prend pas une seule séance chez le coiffeur. En ce qui me concerne, étant quand même, vous voyez, très brune, c'est plusieurs rendez-vous. Donc moi, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, à la hauteur de 2-3 fois par an. Donc je peux me permettre d'éclaircir au fur et à mesure. Si vous arrivez totalement brune, démunie de couleur, et que vous demandez de changer du tout au tout, généralement on vous dira attention, il faut le faire en plusieurs étapes. Parce que déjà de 1, ça va vous flinguer les cheveux, et de 2, on a envie d'arriver à la bonne couleur. C'est un fail magnifique. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous ma vidéo. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner. Moi, ça m'encourage. Plus je vois les abonnements augmenter, plus j'ai envie de faire des vidéos. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai. Je demanderai à Charlie. Prenez rendez-vous si vous n'avez jamais fait de couleur encore de votre vie ou si vous souhaitez changer de coloriste ou vous avez envie de tester ce salon honnêtement. Voilà, les yeux fermés. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.